Ça, c'est le passé de directeur commercial. Tout de suite, il veut prendre le leadership. Bonjour à toutes et tous, et je coupe mon micro également. Bonjour à tout bonjour. Le monde. Je coupe également. Salut, Mickaël. Bonjour. Alors, bonjour à tout le monde. Merci à vous toutes et vous tous d'être. Hop, on admet encore les derniers qui arrivent. D'être présents pour cette visioconférence. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Pierre Béraud de WSI. Il va nous parler du social selling et surtout comment générer des rendez-vous via LinkedIn. Donc, je vais tout de suite lui laisser la main. Je profite juste de vous dire qu'on a fait partir un emailing. Donc, avis à tous nos adhérents. Ça y est, on a lancé le grand casting pour organiser des ateliers ou en présentiel ou en visio parce que bon, on n'est pas trop Madame Irma, on ne sait pas comment vont évoluer les choses. Donc, on a joué sur les deux tableaux. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer tous vos teasings d'ici le 3 juillet. Et puis, si parmi les participants, il y a des personnes qui ne sont pas adhérentes, sachez que voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus pour rejoindre l'UPE 06 et donc nous proposer un atelier pour l'année 2021. Et dernier point, on organise une réunion d'info qui s'appelle à la découverte de l'UPE, donc animée par notre directeur général Julien Riera, Solène et moi-même, donc ce vendredi. Solène, c'est matin ou après-midi? J'ai un trou. Le matin à 9h. Le matin à 9h, voilà. Donc on passera en revue tous les services de l'UPE. Donc vous êtes les bienvenus pour y participer ou pour en parler aussi autour de vous. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne visio et je laisse la main à Jean-Pierre. Merci, merci beaucoup. Ah pardon Jean-Pierre, bon. Excuse-moi. Oui, vas-y. Oublié, oui, pardon, du coup je suis partie dans mon truc. La présentation sera présente sur le site internet dès la semaine prochaine et la vidéo replay aussi. Pour les questions-réponses, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat et avec Solène, on se permettra d'interrompre Jean-Pierre entre deux slides pour vous donner la parole, que vous puissiez poser vos questions. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations, de vos retours d'expérience aussi, ça peut être très enrichissant pour nous. Pardon Jean-Pierre, je te laisse la main. Et juste à préciser si vous avez bien votre micro. Oui, pour savoir. Plus ou faire intervenir en live. Exactement. Alors, je vais justement sur ce sujet. Ce que je vous propose, c'est effectivement d'avoir les micros coupés, néanmoins maintenant. Je pense que effectivement, on a vu avec Solène et Elodie que tout se passe en fluide, c'est-à-dire que si vous avez des questions fluides, vous les posez dans converser et à partir de là, elles prendront les informations et elles me couperont de manière à ce qu'on puisse répondre de manière immédiate ou en tout cas de manière linéaire, parce que je pense qu'il y a quand même, on peut avoir une certaine frustration de ne pas avoir ces questions, ces réponses tout de suite. Néanmoins, la plupart des questions, et notamment le côté interactif avec questions-réponses, ce sera plutôt à la fin, avec les micros ouverts, si vous le souhaitez. D'accord ? Alors, je suis qui ? Bon, je connais quelques-uns des personnes qui sont présentes. J'ai pas la vision globale des 37 ou 40 participants présents actuellement. Moi, je suis consultant marketing digital à Nice. Mais donc, je travaille un petit peu sur l'ensemble de la région PACA et surtout la Côte d'Azur. Et je suis membre du réseau WSI. WSI, c'est quoi ? C'est un réseau mondial de consultants marketing digitaux. Et l'avantage de WSI, c'est qu'on est au fait de l'ensemble des évolutions dans le marketing digital. C'est le plus important pour moi parce que je pense que le marketing digital évolue pratiquement quotidiennement. Et ce qui est important, c'est d'être au courant de ce qui se passe pour ne pas dire clairement des bêtises lorsqu'on parle, par exemple, d'algorithme Google ou d'algorithme LinkedIn. Donc, mon métier en tant que consultant marketing digital, c'est d'être capable de définir de la stratégie pour n'importe quel TPE, PME, voire même des freelances, de pouvoir mettre en place et mettre en œuvre cette stratégie et de l'accompagner et, in fine, de pouvoir mettre en place également des formations. Vous avez, si vous êtes intéressé le cas échéant pour échanger uniquement et mieux comprendre ce que je peux faire pour vous, mon email ici présent, mon lien HubSpot, qui vous permet d'avoir mon agenda et puis bien sûr mon profil LinkedIn. Le site WSI sera launché normalement, en tout cas sera cette semaine. Vous voyez, on est en plein dans l'actualité. Ah, j'ai l'impression que j'ai un problème de passage des slides. Why? Je ne comprends pas. Ça y est, ça passe. Alors, le plan est simple. Hein. Qu'est-ce que le social selling? Alors, je vais dire la vente sociale. Ça m'évitera d'avoir une prononciation erronée. 10 bonnes raisons de faire du social selling, parce qu'effectivement, vous êtes beaucoup là. Donc, je pense que vous êtes déjà sensibilisés
à cette technique, cette tactique de vente. Maintenant, il y a vraiment une évidence, et je préfère, avant d'aller sur les fondations et les étapes de la routine de social selling, parler de ces évidences-là et valider que le social selling, ce n'est pas bientôt, c'est tout de suite. Et enfin, on parlera des outils, trucs et astuces. Et peut-être que vous aurez pas mal de questions, puisque les derniers webinaires que j'ai fait sur ce sujet, il y avait pas mal de questions sur les outils. Alors, qu'est-ce que c'est que le social selling ou la vente sociale? C'est assez simple. C'est d'abord, non pas de la vente, mais plutôt l'étape avant la vente. C'est l'étape qui vous permet de générer des rendez-vous, d'améliorer votre branding, c'est-à-dire d'améliorer l'image de votre entreprise sur les réseaux sociaux, et puis d'améliorer également votre propre branding en tant que branding personnel, c'est-à-dire votre marque personnelle en tant que, par exemple, freelance ou en tant qu'expert. Et c'est également une des phases du digital selling. Alors, excusez-moi pour tous ces anglicismes, mais digital selling, c'est quoi? C'est la possibilité d'utiliser pratiquement, du moins de digitaliser pratiquement l'ensemble de votre cycle de vente, que ce soit le cycle de la prospection ou que ce soit de la fidélisation. Je veux prospecter, c'est-à-dire générer des nouveaux clients par le digital. Ah ben, il est possible depuis pas mal de temps, mais encore plus aujourd'hui, et l'accélération a été réelle ces derniers temps du fait du Covid, on peut digitaliser 100% de son cycle de vente via l'utilisation d'outils digitaux. Alors, elle répond, je vous le disais à l'instant, mais le social selling répond effectivement à ces trois objectifs. Au départ, on était et on reste encore beaucoup sur le premier objectif qui est de construire une marque personnelle, d'installer un top of mind, comme on dit en anglais, d'installer vraiment son nom, son expertise et son savoir-faire à l'intérieur de ce réseau qui est LinkedIn, parce que clairement, le social selling ou la vente sociale, c'est à 80%, 90% via LinkedIn, et on va dire que les autres supports tels que YouTube ou Twitter ou Facebook représentent le reste du social selling. Mais la base et l'ensemble de la stratégie vente sociale se fait normalement sur LinkedIn. Le deuxième point, c'est marketer votre entreprise et vos services, parce que vous pouvez avoir votre marque personnelle en tant que brand commercial, et après vous avez le branding de votre entreprise qui est à part, surtout si vous avez une PME, une plus grosse PME. Il y a d'un côté le branding de vos collaborateurs et le vôtre, et de l'autre côté le branding de votre propre entreprise. Enfin, et c'est ça qu'on parlera aussi et beaucoup aujourd'hui, génération de prospects par une question. C'est-à-dire qu'effectivement, LinkedIn est surtout l'outil qui est un petit peu satellite de LinkedIn, Sales Navigator, est un outil clairement qui permet d'accélérer sa génération de prospects via le digital. Comment ça marche? Alors, je vous la fais très light là. Il y a globalement quatre étapes au social selling. La cinquième étape, c'est la prise de contact physique et la signature. Il y a une étape d'identification des prospects. Donc, on est sur une étape plus de segmentation et de réflexion sur sa cible. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est l'étape de réseautage. Je demande à me connecter à eux, soit directement, soit par une reco d'un de mes collègues ou d'un ami de mon réseau. La troisième étape, c'est une étape, et la quatrième, l'étape 3 et l'étape 4, ce sont des étapes d'échange. J'observe ce qui se passe, mais en même temps, je me positionne, je commente, je poste du contenu. Et enfin, la dernière étape, c'est une étape qui est un peu en off de la partie, de la partie social selling, mais qui est l'étape quand même essentielle. C'est qu'une fois que j'ai construit toute cette confiance, je peux aller à la signature. Donc, j'ai été rapidement sur cette première partie parce qu'on y reviendra plusieurs fois. Mais vraiment, c'est ce qui est important, c'est de comprendre que le social selling, ce n'est pas la vente sociale réellement. C'est comment j'arrive à installer dans l'esprit des gens que je suis la bonne réponse. On va y venir tout de suite avec les 10 bonnes raisons de faire du social selling. Alors, le social selling ou la vente sociale, pour tout vous dire, moi, je vous ai pas donné mon background, mais j'ai un background de directeur commercial. J'ai été directeur commercial et directeur des ventes pratiquement 20 ans, pas tout jeune maintenant. Et depuis pratiquement 5 ans, voire même 6, alors auparavant, on travaillait sur LinkedIn pour faire du recrutement. J'avais même un abonnement RecruitIn de manière à pouvoir recruter plus facilement, d'avoir des alertes. Et LinkedIn, avec le rachat par Microsoft, est rapidement devenu cette machine à générer du contact, ce réseau, réellement réseau B2B, et également cette possibilité de pouvoir pratiquement digitaliser toute sa prospection.
Mais l'accélération récente, elle provient surtout d'un problème réel dans la plupart des sociétés, que ce soit des grandes sociétés ou des plus petites sociétés, c'est qu'aujourd'hui, les appels à froid, ils sont de plus en plus inefficaces. D'accord ? Quand on dit que les appels à froid et quand j'écris que les appels à froid sont efficaces dans 3% des cas, on a des écarts-types énormes, on a des écarts énormes de capacité entre les différents vendeurs ou les différentes sociétés. Il y a ici certains d'entre vous qui se sont essayés à la prospection téléphonique, ils ont peut-être réussi. D'autres se sont essayés et ils n'ont pas réussi. En tout cas, moi qui ai eu des ventes pendant l'année, vous assurez que l'écart était même parfois de 1 à 200 entre un vendeur qui est capable de prendre son téléphone et un qui n'est pas capable. Et puis d'autre part, il y a une vraie démotivation. Ceci est dû à simplement un point essentiel, c'est que les gens ne veulent plus être appelés, et notamment les cadres supérieurs. Je vous ai donné la statistique qui est une statistique LinkedIn. 90% des cadres supérieurs ne répondent ni aux appels, ni aux emails à froid. La raison numéro 2, c'est que, et là, je peux vous raconter un peu d'histoire, mais je ne vais pas vous raconter ma vie, mais une des bagarres que j'ai vues le plus souvent au niveau des sociétés dans lesquelles je travaillais, que ce soit des startups, de 20, 10, 60 salariés ou des plus grosses sociétés, c'était un petit peu la petite bagarre qui pouvait exister entre le marketing et le commercial. C'est-à-dire que le commercial disait « générez-moi des leads » et le marketing disait « je vous ai généré des leads ». Et le commercial disait « ils ne sont pas de bonne qualité ». Du coup, le commercial, souvent, il ne fait pas suffisamment confiance à ce que génère le marketing. Et globalement, le marketing, en statistique, on dit qu'il génère, quand ça se passe bien, plutôt jusqu'à 30% des leads. Et quand ça se passe moins bien, moins de 15% des leads. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai mis cette statistique, c'est que les vendeurs génèrent 75 à 80%, 85% des leads et qu'on est en freelance ou on est en TPE, on génère 100% de ces leads. Donc comme les vendeurs génèrent leurs leads, ils sont confrontés à une réalité, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est que l'acheteur B2B, puisqu'on parle surtout de B2B, mais ça fonctionne également en B2C, l'acheteur B2B, il est en totale mutation. Et aujourd'hui, sur sa timeline, il faut avoir sur la timeline de décision d'achat, il faut avoir vraiment une conscience d'une chose, c'est celle-ci. On a une timeline qui se décide, alors vous avez la vision grise ici présente et la vision verte ici présente, tout ça, c'est la durée d'achat. Donc, si on est sur un achat B2B qui peut durer, 2 mois, 3 mois, on doit se dire, on peut se dire qu'entre la décision, la réflexion de « j'ai un problème », il faut que je trouve une solution et je vais enfin prendre contact avec un acheteur, avec un vendeur, voire avec plusieurs vendeurs pour pouvoir aller plus loin dans ma décision d'achat et dans ma décision finale, j'achète. 69% se fait sans contact avec le vendeur. 69%, c'est-à-dire, on va dire 70% pour faire un chiffre rond, c'est pas loin des 2/3. Et pendant ces 2/3-là, que se passe-t-il ? Et ce qui se passe en général, que ce soit d'ailleurs en B2B et en B2C, mais surtout en B2B, c'est encore plus important, puisque le cycle d'achat peut être plus long, on se retrouve avec un acheteur qui réfléchit tout seul, qui se fait son intime conviction pratiquement tout seul pendant 70% du temps. Donc, il y a un gap qui n'est pas souvent utilisé par les sociétés et qui est un gap très intéressant, c'est comment je peux influencer mon acheteur pendant cette période-là. Parce que quand je me retrouve ici, et je pense que c'est la slide qui est juste derrière, c'est ça, quand je me retrouve ici, c'est-à-dire le choix 1, je me bats avec tout le monde, puisque le décisionnaire, l'acheteur, il va se tourner vers les différents vendeurs, il va les mettre en concurrence, et bien je vais finir par quoi ? Me battre sur des prix, ou me battre sur des promos, ou une petite différence, mais je n'aurais pas fait la grosse différence. Donc, je me bats surtout avec tout le monde. Alors que si je me positionne ici, en choix numéro 2, je me positionne avec peu de monde, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, 60% des sociétés sont sur le choix 1 encore aujourd'hui. Et quand je dis 60%, je suis gentil. Or, vous n'êtes que 40% à être présent ici, et en fonction des métiers, en fonction des industries, ça peut être même beaucoup moins. Donc clairement, le social selling il est né de cette conclusion qui est qu'aujourd'hui, il y a 70% du temps de réflexion de l'acheteur et surtout de la timeline d'achat de l'acheteur qui n'est pas utilisé et qu'il faut complètement intégrer et sur laquelle il faut travailler. Alors, je vous ai mis cette petite slide qui est de HubSpot. HubSpot, c'est le leader, un des leaders, si ce n'est le leader mondial des outils de CRM
Customer Relationship Manager, c'est-à-dire tous les outils de gestion de sa base de données pour les TPE. C'est plutôt un outil TPE-PME qu'un outil grosse société. Les outils grosse société, c'est plutôt Salesforce. Et ces éléments de sondage qu'il fait régulièrement nous donnent que effectivement l'acheteur, il souhaite discuter avec un vendeur, ou en tout cas quelqu'un qui puisse lui parler, de lui donner des éléments supplémentaires et apporter des éléments supplémentaires à sa réflexion quand il est dans la phase de considération, voire la phase de prise de conscience. Donc, on est clairement dans les 79% des cas, l'acheteur, avant d'être dans la phase de décision, il souhaite être contacté par un vendeur. Alors, contacté, on va en parler juste après, mais vous voyez qu'on est clairement en phase avec le marché quand on va traiter et discuter avec l'acheteur bien avant sa décision d'achat. Donc, on a vu un point 1, c'est les appels à froid ne fonctionnent pas, les emails ne fonctionnent pas, enfin, beaucoup moins. On a le vendeur, c'est lui qui doit clairement générer ses propres leads, il doit se débrouiller tout seul, pour parler autrement. Vous avez également donc le tunnel d'achat. Et puis, il y a un point qui est essentiel, j'en parlais tout à l'heure, des frictions entre le marketing et les ventes. Même lorsqu'on est dans une petite PME, mais encore plus vrai qu'on est dans une grosse société, le social selling, ça permet de s'aligner. Ça pratiquement oblige, j'aime pas trop le terme, mais ça oblige, ça contraint le marketing à travailler avec les ventes. Et ça, c'est génial. Et j'ai vécu cette expérience-là dans le passé. Et c'est clair que quand on commence à travailler sur le social selling, donc à travailler sur les contenus, les contenus qu'on va poster, que ce soit sur LinkedIn, mais que ça peut être sur Facebook, Instagram, et qui sait TikTok maintenant, puisque TikTok a pris une envolée incroyable, surtout qu'on est en B2C, on est obligé de travailler ensemble pour être certain que ce que va dire le vendeur, ce que va dire le marketing, ce que va dire globalement la société et voire le service client est totalement lié. Donc, c'est un vrai outil de liaison et d'unification globalement de la stratégie marketing et vente de la société. En point 5, c'est que ça, c'est un lien avec ce que je viens de vous dire, et ce n'est pas anodin, je l'ai également vécu, c'est que quand vous avez, je dis n'importe quoi, mais on va dire allez, une quinzaine de vendeurs dans votre TPE, dans votre PME, et que vous avez, allez, on va dire à peu près 5-6 vendeurs qui jouent à fond le jeu du social selling, c'est-à-dire qui postent, qui travaillent leur branding, qui travaillent leur profil sur LinkedIn. Clairement, vous augmentez le degré d'implication, vous augmentez le degré d'appartenance à la société du collaborateur, et donc vous augmentez le degré de confiance non seulement des salariés, mais également du marché envers ces salariés. Parce que quand vous avez des salariés qui s'impliquent sur le social selling, quand vous avez des collaborateurs qui s'impliquent dans le social selling, ça montre une image vraiment unifiée de l'ensemble de la société et des composantes de la société. Donc, c'est vraiment un point qui n'est pas anodin. Lorsque moi, je mets en place des formations social selling, notamment, j'explique souvent aux chefs d'entreprise qu'il faut absolument que je rencontre très vite les collaborateurs pour pouvoir bien comprendre non seulement leur niveau de compétence sur le social selling, mais également savoir qui vont être les leaders. Et pour que ce projet social selling ne soit pas un projet du patron uniquement, mais bien un projet commun. Et là, ça, on arrive à avoir un degré d'implication et également donc de fidélité, de fidélisation de ses collaborateurs. Et aujourd'hui, avec surtout sur le marché le marché du recrutement et le marché des commerciaux, c'est également quelque chose qui est un critère qui est très important. Le point 6, c'est un point que j'aurais pu faire au démarrage, mais je préférais démarrer par un point d'implication des collaborateurs. C'est que, bon, c'est des chiffres français, c'est les chiffres de fin 2020, en sachant que les chiffres accélèrent pratiquement quotidiennement, mais on a 10 millions d'utilisateurs actifs. Et on dit aujourd'hui que sur les 10 millions, il y a à peu près 40% qui sont des utilisateurs quotidiens. Et on a donc 2,2 millions de visites uniques par jour. Donc, c'est aujourd'hui, en B2B et dans le monde des affaires, clairement, l'outil qui engage le plus ses participants dans une logique vraiment de concrétisation. Alors ça, c'est ma petite touche d'humour également avec l'UPE 06. C'est effectivement, il est conforme à la directive GRPD parce que quand vous travaillez sur LinkedIn, quand vous vous connectez en réseau, tout bêtement, l'ensemble de ces réseaux a accepté par définition de se connecter à vous. Et du coup, ce sont des données qui sont totalement GRPD, donc conformes à la législation. Et je trouve que c'est plutôt positif, alors qu'aujourd'hui, le gendarme
on va dire, GRPD, est beaucoup plus attentif, que ce soit sur les sites internet, que ce soit sur les emails, et que ce soit sur la récupération d'informations via votre site, est beaucoup plus attentif à ce qui se passe et a commencé déjà ses condamnations depuis le mois d'octobre 2019. Là, je me répète un peu, mais effectivement, je voulais parler des décideurs, ceux qui achètent. 100% des décideurs B2B sont sur les médias sociaux à des fins commerciales. Voilà, c'est effectif, c'est concret. Aujourd'hui, penser que quand on a des périodes un petit peu difficiles, ça m'arrive aussi de dire « Ah, ça ne marche pas en ce moment, je n'arrive pas à concrétiser des rendez-vous. » Ben non, c'est l'endroit où il faut être. C'est un endroit de réseautage B2B. Donc, c'est un endroit efficace et à ces moments-là, on en parlera tout à l'heure, il faut réfléchir, redéfinir sa tactique, redéfinir ses contenus parce que quoi qu'il arrive, quand on est sur LinkedIn, on est au bon endroit pour faire du business. Le point 9, c'est un peu le corollaire de l'autre. 75% des acheteurs utilisent les réseaux sociaux quand ils doivent prendre une décision d'achat. C'est 75% des acheteurs B2B utilisent le réseau LinkedIn quand ils doivent prendre une décision d'achat. Et ce niveau augmente. Plus on est dans des fonctions IT, plus ce niveau augmente. Plus on est dans des fonctions RH, plus ce niveau augmente. Plus on est sur des fonctions, je dirais, plus industrielles, plus ce niveau augmente. Il est clair que plus on se rapproche du B2C ou de niveau B2C, ce niveau peut baisser. Encore que, je discutais la semaine dernière, oui c'est ça, la semaine dernière avec des gens de LinkedIn, puisque régulièrement, je me mets à jour et je discute avec une dame de LinkedIn et qui m'expliquait, une experte de LinkedIn qui m'expliquait qu'en immobilier, par exemple, sur le marché immobilier, ils ont de très bons retours. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, c'est un achat impliquant. Ça veut dire quoi ? C'est un achat, un, qui a un gros panier moyen. On achète un appartement de 200, 300, 400, 1 million d'euros, 2 millions, 3 millions. Les prix sur la Côte d'Azur, en plus, ils n'ont pas encore baissé, on va dire. Deuxièmement, c'est un achat qui est long, impliquant, c'est-à-dire qu'on peut prendre sa décision d'achat sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans. Du coup, toutes ces décisions d'achat-là peuvent… Et puis, les gens qui ont des revenus sont en plus sur LinkedIn. Donc, ces trois facteurs-là font qu'aujourd'hui, même sur des achats B2C impliquants, ça peut être intéressant d'être sur LinkedIn. Enfin, le dernier point, c'est le plus important pour moi. Lorsqu'on met en place l'ensemble des moyens, et on va reparler dans la routine, lorsqu'on met en place l'ensemble des moyens les plus précis, les plus pointus et les plus réguliers, la vente sociale peut avoir un taux de conversion assez important. Alors, le taux de 15%, je l'ai mis un peu par provocation, il est élevé là, mais il peut être plus élevé, mais il est plutôt élevé quand même. Le taux de conversion en moyenne quand on travaille bien sur le social selling, il est de, et je vous donnerai les chiffres tout à l'heure sur un exemple, il est plutôt de 8%. Mais même à 8%, c'est beaucoup plus important que les 3% en moyenne qu'on obtient sur des actions marketing en général qui sont définies pour la prospection. D'accord ? Donc, 3% d'un côté, 8% en moyenne, on va dire. Et encore, comme je vous le dis, ce taux dépend du métier, de l'industrie, mais également, bien entendu, de l'efficacité. Je vais vous donner un exemple parallèle qui je trouve plutôt parlant. Aujourd'hui, vous avez votre site web. Généralement, votre site web a été construit pour être votre vitrine, la vitrine de votre société, de votre savoir-faire et même de la vitrine qui a recueilli les témoignages de satisfaction de vos clients. Donc, c'est quelque chose qui réassure votre client, mais également le prospect. Quand vous appelez un prospect, ce prospect peut se dire, ou quand vous vous connectez pardon, sur LinkedIn, ce prospect peut aller regarder votre site et se dire, ah tiens, d'accord, il a des testimoniaux qui m'expliquent qu'il est bien, voilà ce qu'il fait, effectivement, je comprends mieux ce qu'il a pu dire dans son contact via LinkedIn. Eh ben, le taux de conversion moyen d'un site en France est de moins de 1%. Voilà, ça vous donne un exemple par rapport au social selling, alors que le taux de conversion peut monter à 3%. Voire 5% lorsqu'on met en place quelques petites actions. Moi, j'appelle ça les 12 actions basiques pour augmenter la conversion d'un site web. Voilà, c'est un exemple pour vous dire que le social selling est quelque chose d'assez rapide et d'assez efficace pour peu qu'on s'en donne les moyens. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Puisque j'ai passé la première phase qui était qu'est-ce que le social selling et quelles sont les 10 étapes, les 10 bonnes raisons de faire ce social selling ? Moi, déjà, j'espère que maintenant, tout le monde autour de la réunion
est complètement certain et complètement convaincu qu'il faut qu'il se mette au social selling. Maintenant, on va passer à la phase comment on fait cela. Donc, s'il y a des questions. Écoute, Jean-Pierre, il n'y a pas de questions pour l'instant. OK. Non, c'est plutôt clair. Donc, ça veut dire que je suis clair. Pardon, il y a Jacques. Jacques, pardon, oui, je n'avais pas vu, je viens de lire, j'aurais une question. Tu nous entends, Jacques, sur le micro? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Mm-hmm. OK. Ma question, c'est dans le graphe au début du processus de réflexion, d'enquête et décision d'achat, je trouve que c'était assez parlant. Et vous expliquiez voilà, le choix 1, le choix 2. Tu peux me tutoyer. Ma question, c'est… OK, merci. Alors, Jean-Pierre, la question, c'était comment est-ce qu'on peut identifier, lorsqu'on a défini sa cible, comment identifier les personnes de sa cible qui se situent à tel stade du processus? Est-ce que tu as une excellente recommandation question là-dessus? Excellente question. Excellente question. C'est pratiquement l'essence même de la difficulté du social selling. Donc, on va y venir. Je ne te réponds pas tout de suite. Là, je suis désolé. Je vais mettre un peu de frustration. Ça va. Mais on en parle juste après. Mais c'est vraiment… Vraiment, tu as mis le doigt là-dedans, dans la vraie problématique social selling et sa vraie difficulté. Parce que clairement, moi, je trouve que social selling, c'est une prospection quand même plus douce que d'aller téléphoner et de faire des appels téléphoniques très frustrants sur une journée. On dit que le taux de conversion en rendez-vous d'une journée, ça peut être entre 1 et 2% et encore, ça dépend de la qualité. Donc, faire une heure de social selling ou une heure et demie de social selling, je ne trouve pas ça si compliqué que ça. Par contre, oui, la difficulté se situe clairement sur la manière de bien comprendre à quelle étape du processus d'achat est la personne qui est en face de nous et notre cible. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est effectivement ce slide-là. Est-ce qu'il est dans la phase de prise de conscience? Est-ce qu'il est phase de considération? Ou est-ce qu'il est la phase de décision? On peut même mettre d'autres étapes intermédiaires. Hein. C'est un des sujets du travail sur le contenu. Donc, on y vient tout de suite. Alors, les phases. On a trois phases basiques. On peut en faire d'autres. Hein. Moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse sur social selling, mais j'essaie de découper ça. C'est mon passé de directeur commercial. On aime bien découper des cycles de vente, des étapes pour les positionner dans un tunnel de vente. Mais globalement, il y a trois phases qui sont pratiquement toujours les mêmes dans le marketing digital en général. Les phases de fondation, les phases de conversation et les phases de conversion. Je fais toujours le lien avec le site web. Pour moi, c'est la même chose. Quand vous construisez un site web, avant d'aller le construire, il y a une partie fondation. Une fois que vous l'avez construit, il y a une partie conversation. Et après, bien sûr, il y a une partie conversion. On est dans le même tunnel de vente. La partie fondation, il faut installer les fondations. Et ça va répondre un petit peu à ta question, mais on suivra ensuite et tu me diras si j'ai répondu vraiment à ta question dans la phase 2. En fait, globalement, je fais ça également en synthèse, hein, vous avez dans les fondations trois sujets. Le sujet des objectifs, bien comprendre quels sont vos objectifs. Le sujet de la proposition unique de valeur, quelle est votre proposition unique de valeur, en quoi votre offre, votre service, votre personnalité, votre société est différente de la concurrence et en quoi aller chez vous, c'est mieux que d'aller chez le concurrent. Vos personas, c'est-à-dire exactement quel est le profil clair en termes de comportement notamment, en termes d'habitude, en termes de fonctionnement de votre acheteur idéal. Ces trois basiques fondations, on pourra en mettre d'autres, hein, mais ces trois basiques, on pourrait faire des études du SEO, on pourrait faire des études des médias sociaux, mais si on définit ces fondations-là, si on a ça, on peut déjà travailler sur deux choses. Le profil, puisque le profil n'est ni plus ni moins que l'émanation de votre proposition unique de valeur, de vos personas. Et enfin, le contenu, qui est clairement l'émanation de vos personas. D'accord ? Donc, quand on a installé les fondations, et c'est là où il faut être extrêmement pointu, voire très patient, lorsqu'on veut aller dans le social selling, ne pas se jeter dedans sans avoir construit tout cela. Et construire tout cela, c'est vraiment basique. Et parfois, s'il le faut, il faut se faire aider d'un consultant en marketing digital parce que, notamment sur les personas et même sur la proposition unique valeur, moi, j'ai eu il y a peu de temps quelqu'un qui voulait que je l'aide sur ce sujet. Et uniquement sur la proposition unique valeur, ce n'était pas défini.
Et quand on est passé au persona, bah, il a fallu qu'on s'arrête parce qu'il y avait trop de personas. Or, avoir des personas, ça veut dire avoir des acheteurs idéaux, une cible idéale. Dès qu'on sort de plus de, on va dire, 3 ou 4 personnes, ça y est, c'est trop de monde et il est difficile de définir des contenus. On y vient. Les personas, donc excusez-moi, j'ai capturé cette page parce que c'est une page qu'on utilise chez WSI et il y a de l'anglais dedans, mais c'est pour vous expliquer la conclusion d'une page persona. La conclusion d'une page persona, elle m'aide à définir la photo, c'est-à-dire une personne, un visuel, un prénom, Eric. Eric, c'est le chef d'entreprise de 45 ans, le patron de TPE-PME, qui est ma cible. Il a des objectifs, il a des challenges, il a des questions qu'il se pose réellement. Est-ce qu'on peut me montrer mon ROI, c'est-à-dire mon retour sur investissement? Est-ce qu'on peut me garantir des résultats? C'est souvent la question qu'on me pose sur la partie social selling. Quelle est la différence, la proposition de valeur, quelle est la différence entre vous et un autre? Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Avec qui vous avez travaillé avant? Est-ce que ça peut me donner des... Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Voyez, vous avez ici l'ensemble de ce qu'est la synthèse d'un personnage chef d'entreprise pour une société, pour un consultant marketing digital WSI. D'accord? Ça a été construit après un atelier avec votre équipe ou avec votre consultant qui vous a permis, via des questions, via des recherches, de définir clairement un portrait robot de ce qu'est votre cible. Donc, si vous avez 2 cibles, 3 cibles, il vous faut 3 portraits robots. Enfin, moi, j'ai 3 cibles en général. J'ai le patron de PME, TPE, j'ai le patron directeur commercial par rapport notamment au social selling et je peux avoir le freelance ou la profession libérale par rapport à un projet plus court d'atelier social selling. Et j'ai également la partie direction marketing. Vous voyez, déjà, j'en ai 4, ça fait beaucoup. Parce que direction marketing, si on veut que je les aide à travailler sur un petit sujet de l'ensemble du stratégie marketing digital. Une fois qu'on a ces personnages, on a déjà beaucoup. Mais ensuite, il faut également avoir sa proposition unique de valeur. Alors, sa proposition unique de valeur, je l'ai mis avec la partie profil. La proposition unique de valeur, c'est aujourd'hui, j'aide les chefs d'entreprise, les directeurs marketing à définir une stratégie marketing digital qui puisse leur permettre d'avoir un retour sur investissement rapide. Exemple, la meilleure profession de valeur. Et ça doit se lire dans votre profil. Moi, je vois plein d'histoires sur le profil. Tout ça est très bien, mais quand vous travaillez votre profil, vous ne lisez pas exactement ce qu'est votre proposition unique de valeur et ce qui définit une différence par rapport à votre marché, ben, il faut continuer à travailler. Et aujourd'hui, moi, je change de temps en temps mes propositions uniques de valeur parce que je sens qu'elles ne correspondent pas suffisamment à ma ou mes cibles. D'accord ? Donc, normalement, la proposition unique de valeur, elle doit se lire ici, dans les 3 premières lignes d'infos et bien sûr dans le détail. D'accord ? Et même ici, je dois avoir déjà la petite signature. Je suis Jean-Pierre Béraud, stratégie performante en marketing digital et vente pour PME, coach social selling. Normalement, ça me traduit. Si je sens que les gens ne comprennent pas suffisamment ce que ça veut dire, et c'est possible, je peux m'être trompé, il faudra que je la modifie et je dois avoir une réflexion là-dessus régulièrement. Et là, c'est effectivement la partie où je définis clairement qui je suis, ma proposition unique de valeur. Et puis, bien sûr, ici, je dois avoir des testimoniaux qui valident que j'ai travaillé sur des stratégies et que des gens ont été satisfaits. Donc, globalement, pour moi, ce qui est le plus important dans un profil, parce que quelqu'un à qui je vais demander une connexion, il va aller soit sur mon profil, soit sur mon site web, soit sur les 2. Donc, il faut absolument qu'il ait une vision hyper rapide de ce que je suis parce qu'il ne va pas aller trop loin dans… même là, vous voyez, j'en ai mis une tartinée. Je songe à réduire encore parce que les gens ne perdent pas beaucoup de temps à lire tout ça, clairement. D'accord ? Donc, j'ai fait mes personas, c'était juste avant. J'ai fait ma proposition unique de valeur qui me permet de travailler mon profil et même mon profil dépend de mes personas. Et puis, j'ai mes objectifs. Alors là, je vous ai fait quelque chose d'un peu bateau, hein, je suis désolé, mais on aurait pu aller plus loin dans les objectifs. Je peux avoir l'objectif de notoriété, je peux avoir l'objectif de top of mind. Je vous ai mis des objectifs qui sont un peu plus simples. Je vous ai dit, par exemple, vous avez un objectif de faire 60 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Votre panier moyen est à 1 000 euros et donc, il vous faut 60 nouveaux clients dans l'année. J'aurais pu faire un plus gros panier moyen parce qu'on est en B2B, ça peut être un panier moyen de 2 000 euros, 5 000 euros. Mais là, ça me permet de faire un calcul rapide. Vous avez là l'étape du funnel habituel en prospection, mais ça peut être mais c'est également l'étape du funnel, du tunnel de prospection et de conversion dans le social selling, dans la vente sociale.
attention au taux de conversion. J'ai mis des taux de conversion globalement réels qui existent dans des cas que j'ai connus. Après, les taux de conversion dépendent bien entendu de pas mal d'éléments. Là, vous avez un taux de conversion de 50% entre « j'ai demandé des contacts à 3200 personnes dans l'année » et vous accrochez pas au chiffre quand même, hein, « et j'ai eu 1600 personnes qui ont accepté de se contacter, de se connecter à moi ». Donc, c'est un taux de connexion de 50%. Le taux de connexion, en fonction de sa capacité, de la qualité de l'ensemble du process, il peut varier entre 30 et 50%. En marketing automation, certains le font, en automation pardon, de contact, il peut baisser jusqu'à 20%. Normalement, être à 40-50%, ça doit être réalisable. Une fois que j'ai récupéré ces leads, je suis en contact, c'est-à-dire je demande d'aller plus loin dans la prise de contact et je dois essayer d'avoir une connexion pour que la personne puisse accepter un rendez-vous, par exemple. En tout cas, une conversation plus pointue et plus poussée. Et là, j'arrive à je descends à 800, c'est encore 50%. Et enfin, je peux avoir un rendez-vous, je descends jusqu'à 120. C'est un cas réel que je vous donne. Et à la fin, sur ces 120, j'en ai transféré la moitié. Pourquoi ? Le taux de conversion, généralement, en prospection, il est entre 25 et 30%. Même en tant que directeur commercial, c'est ce que j'ai pu repérer tout au long des années. Il varie bien sûr dans la qualité du vendeur, mais également dans la typologie d'industrie et bien sûr dans l'environnement concurrentiel. Mais globalement, en prospection social selling, comme ce sont des gens avec qui j'ai eu une longue conversation, on va y venir tout de suite, normalement, le taux de conversion est supérieur. D'accord ? Enfin, dans les fondations, j'ai parlé des personas, j'ai parlé de la partie proposition unique de valeur et j'ai parlé de la partie objectif. Il y a un point qui est important et qui suit les personas, c'est qu'il faut déjà préparer en amont. Alors, je pouvais le mettre dans les routines, mais ce n'est quand même pas une routine vraiment, c'est un travail de fond. Il faut préparer les contenus. Alors, moi, je préfère les préparer au mois. Des fois, je n'y arrive pas, donc je n'ai pas parlé en quinzaine. Mais il faut vraiment préparer ces contenus parce que la préparation des contenus, quand elle est faite à froid, vous permet d'avoir toujours en réflexion le fait de se dire « attention, 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 je dois parler à ma cible, à mes personas et je dois parler si possible, et j'ai vraiment moi-même des difficultés à le faire, je dois parler de ce qui intéresse mes prospects et clients pratiquement pour 50% du temps minimum. On doit même monter. Je dois parler de ce qui les intéresse crucialement pour 20%. Donc, 70% de ce que je envoie comme contenu, non pas parler, mais parler de manière subtile de moi parfois, mais la plupart du temps, parler de ce qui pose problème à mes clients ou de ce qui les interpelle. D'accord ? Donc, ça, c'est un point fondamental. Et quand on prépare en amont l'ensemble de son contenu, tout en restant quand même dans l'actualité, on a la possibilité de faire cela. Et préparer en amont, ça veut dire quoi ? C'est préparer un planning éditorial, d'accord ? Et là, je vais tenter de répondre à ta question de tout à l'heure, c'est-à-dire que là-dedans, il faut avoir en tête effectivement ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire que je dois réfléchir à toucher en partie, je vais y arriver, voilà, il faut toucher en partie des gens qui sont en phase de prise de conscience, des gens qui sont en phase de considération et des gens qui sont en phase de décision. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est un peu tard pour la dernière période, donc je préfère me concentrer sur les deux premiers, phase de prise de conscience et phase de considération. Ça veut dire que mon contenu, il doit être suffisamment, entre guillemets, volumineux pour pouvoir répondre à ces deux étapes. Et donc, en fonction de ces étapes, mon contenu doit être différent. Okay ? C'est très, très important. Et un exemple, je vous le donne dans l'immobilier parce que c'était l'exemple que donnait cette personne de LinkedIn. Dans l'immobilier, si vous êtes dans la phase de réflexion, vous êtes très loin encore de la phase d'achat de votre bien immobilier, ce que vous avez posté, c'est plutôt les 12 bonnes questions qu'on doit se poser lorsqu'on est en recherche d'un bien immobilier. Ou quelles sont les questions à se poser en post-Covid c'est toujours des infographies, des questions qui correspondent à la période de réflexion. Quand on est en réflexion, on se pose des questions. Et comme on se pose des questions, en face, on doit avoir des questions avec les 12 réponses. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un peu ça. Il faut toujours se dire, est-ce que ce que je vais dire là correspond à la phase de prise de conscience ? Le gars qui cherche une formation, un RH externalisé, l'entreprise qui cherche un RH externalisé, quelle est sa question au début de réflexion ? Ah, je n'ai pas d'RH bientôt, elle va bientôt partir.
Est-ce que vous avez, et la question, ça peut être, est-ce que aujourd'hui, quel est le rôle de la RH aujourd'hui? Et le gars, il a 12 réponses. Et les 12 réponses peuvent l'interpeller et l'engager à accélérer son processus de décision en disant, merde, c'est vrai que ça, je serai obligé de le faire quand ma RH partira ou si je veux recruter une RH, et ainsi de suite. Hein, je ne sais pas si mes exemples sont suffisamment clairs, mais l'idée, c'est vraiment de faire correspondre chaque contenu à la phase de prise de conscience, la phase de prise de conscience et la phase de considération. J'essaierai de voir tout à l'heure si je peux vous trouver des exemples. Je dois avoir quelque chose en amont là qui peut vous donner des exemples. Ça y est, faut que je revienne à la slide. Voilà, je suis ici. Voilà. Vous avez une partie que j'appelle la partie Facebookisation, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais beaucoup de monde l'appelle comme ça, qui est la partie ce qui vous intéresse personnellement. Et aujourd'hui, elle augmente. Hein. Il y a énormément maintenant de posts qui sont des posts plus Facebook, voire même TikTok. C'est-à-dire, on est là, il y a de l'humour qui passe. Effectivement, ça fait du bien, hein, surtout en cette période, ça fait du bien. C'est quelque chose qui peut jouer également sur qui êtes-vous. Et je pense que c'est pas, là aussi, c'est important parce que non seulement l'entreprise ou en tout cas votre acheteur, il va se connecter à un service et à des solutions, mais il va se connecter aussi à une personnalité. Et je pense que cette partie-là peut être importante, c'est-à-dire que la personne, elle peut trouver un lien entre ce que vous êtes et ce que vous démontrez de ce que vous êtes personnellement dans LinkedIn et ce qu'il est lui aussi. Et il va peut-être trouver des atomes crochus et ça va vous amener à avoir un contact juste parce que vous êtes golfeur ou juste parce que vous avez un humour qui lui va bien. Voilà. C'est quand même pas l'essentiel de ce que l'on doit partager dans la logique de LinkedIn. Alors, on était dans la phase 1, les fondations. Donc, on a mis ces fondations, on est installé, ça y est, on a son contenu, on a son profil, on a clairement une bonne vision de sa cible, en tout cas de ses 2, 3, voire 4 personas. Donc, maintenant, on doit passer à la phase conversation. La phase conversation, c'est la phase des routines que je vais vous montrer. C'est 10 routines. Là, il faut que j'aille vite parce que je vois que le temps passe. C'est effectivement un sujet de… C'est à peu près 5 étapes, on va dire. J'ai qualifié, j'ai demandé une connexion, j'ai le contact qui a accepté, j'ai des remerciements, je remercie le contact. Et ensuite, je fais de la conversation qui est la période la plus longue. La partie conversation est clairement une partie qui doit créer l'intérêt, gagner en crédibilité, aider à éduquer et surtout faire que le client, il ait vraiment votre nom, voire le nom de votre entreprise en top of mind, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas l'oublier. Et on va y venir tout de suite. Alors, excusez-moi de cette slide un petit peu copieuse. Les 10 étapes d'une routine social selling, c'est quelque chose sur lequel je me suis positionné il y a 4 ans. Alors, il y avait moins d'étapes avec certains de mes commerciaux. Et au fur et à mesure que je l'ai travaillé, je me suis aperçu qu'effectivement, on pouvait utiliser toute ou partie de ces 10 étapes quotidiennement. Donc, j'ai mis des étapes qui sont plus hebdomadaires. C'est effectivement trouver du contenu à partager. Et j'en parlerai pas là. Hein. Publier un article ou un blog à partir de votre profil, puisque l'article, c'est quelque chose de fond. Ça demande une réflexion, ça demande du travail. Mettez des commentaires sur le groupe LinkedIn. Ça, c'est un autre point. Et puis, il y a une partie un peu plus mensuelle. C'est la partie aller chercher des recommandations. Des recommandations, puisque c'est un partage, donner pour recevoir, comme on dit au BNI. Et enfin, il y a la partie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire revoir votre profil. Hein. Le profil, il est peut-être désuet, votre stratégie a changé parce que le Covid vous l'a fait changer, ou votre stratégie s'est recentrée, et donc peut-être qu'il faut effectivement changer son profil. Mais on va rester sur la partie de la routine hebdomadaire. L'autre avantage d'une routine, c'est qu'effectivement, quand on fait quelque chose de manière hebdomadaire, si on se consacre une demi-heure, une heure à faire quelque chose régulièrement, toute ou partie de ces étapes, on les fait plus vite parce qu'on les fait souvent. C'est du bon sens, bien sûr, mais c'est pas. On s'aperçoit que quand vous mettez les 10 étapes comme ça et que vous vous dites, tiens, je coche, j'ai fait, eh bien, au bout d'un moment, ces 10 étapes passent de 1 heure à 30 minutes. Certaines sont un peu plus longues quand même parce que ça demande de la recherche. Mais voilà, c'est 1 heure de prospection LinkedIn ou au moins 3 jours de prospection LinkedIn, c'est largement suffisant pour mettre en place une stratégie LinkedIn de prospection. Mais c'est vraiment beaucoup moins contraignant qu'une vraie stratégie de prospection par téléphone, voire même de réseautage quand vous vous baladez, ce qui est moins possible maintenant, à droite et à gauche dans toutes les réunions de networking qui existaient avant le Covid. Alors, la première étape, 10h20, la première étape, c'est accepter, envoyer, je ne sais pas, j'ai un truc qui se fait devant mon écran là,
Je vais le virer. Il n'y a pas de questions, justement. Donc, je fais mon petit travail. Non, c'est bon. Alors là, j'ai un bizarrerie. Ça y est, ça doit être là. Voilà. Je reviens. Accepter, envoyer un message. Alors, c'est simple, c'est court, c'est très. Mais chaque fois que vous vous connectez à quelqu'un, ben, moi, mon premier élément, la première chose que je le fais en fluide, mais j'essaie d'être hyper régulier, donc de faire ça dans ma routine. Le matin, je démarre par ça. Je regarde les messages d'acceptation, de prise de contact, et je remercie les gens qui sont connectés avec moi. Des fois, quand la connexion est un peu plus pointue, ça a été un peu plus loin son acceptation de contact sur LinkedIn, je vais un peu plus loin, je lui fais même une demande de rendez-vous. Mais c'est rare, très, très rare. D'accord ? Mais là, c'est première chose, la courtoisie. J'accepte et j'envoie un message de bienvenue aux gens qui ont demandé à se connecter avec moi ou à qui j'ai demandé de se connecter et qui ont accepté. L'étape 2, c'est la plus importante parce que c'est le meilleur KPI. Regardez qui a examiné votre profil. Vous avez un tableau de bord sur votre profil, vous allez sur votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur 220, qui a consulté votre profil, les posts et les apparitions, là, qui a regardé votre profil. Vous pouvez même zoomer sur la partie, tiens, je l'ai coupé en faisant mon slide. Vous avez, ah oui, elle est là. 14 vues intéressantes, c'est des gens que LinkedIn suppose plus importants parce que correspondent plus à votre profil. Clac, vous cliquez, vous allez directement sur ces gens qui sont connectés pour savoir qui c'est et voir si vous avez quelque chose à faire avec eux. Donc, la première chose, regardez qui a examiné votre profil. Normalement, le profil, alors là, les statistiques ne sont pas exceptionnelles, là, mais le profil, c'est le vrai KPI, c'est le vrai indicateur clé. Quand votre profil a beaucoup de consultations, ça veut dire que vous travaillez normalement correctement. Alors, attention, beaucoup de consultations qui correspondent à votre cible. Parce que moi, il m'arrive tout content d'avoir beaucoup de consultations. Je regarde, puis je m'aperçois qu'en fait, ce n'est pas tout à fait obligatoirement ma cible. C'est des gens qui sont un peu qu'on appelle ça, des visiteurs, des baladeurs, des touristes. Touristes par rapport à ce que je recherche comme cible. Maintenant, c'est quand même le premier indicateur clé que votre profil et votre compte a une vie. S'il y a peu de monde qui se connaît votre profil, c'est que votre profil n'est pas populaire. Et là, c'est pas très intéressant. C'est emmerdant. Une fois que j'ai regardé mon profil, je commence à agir. Donc, s'il y a dans mon profil des gens que je vois que ça a cliqué, j'ai voulu cacher le nom et le nom réapparaît. Quand il y a des gens qui sont dans votre profil et qui vous intéressent, ben, il faut se connecter à eux. Donc, hop, moi, la première chose que je fais, c'est tiens, dans mon profil, il y a des gens qui font partie de ma cible et qui étaient très intéressants pour moi. Hop, je leur envoie un message. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Ou plutôt, plus fin, quelles sont les questions que vous posez? J'ai vu que dans l'activité de l'immobilier, je ne sais pas pourquoi j'y reviens là-dessus, mais c'est peut-être le béni tout à l'heure, dans l'actualité de l'immobilier, j'ai vu qu'effectivement, il y avait une plus forte demande de maisons parce que les gens étaient confinés, donc ils veulent sortir de leur appartement. J'ai appris d'ailleurs par un ami architecte que les gens recherchaient de plus en plus des maisons avec terrasse, avec balcon, ou faisaient carrément sur leur appartement aménager un balcon ou une terrasse. Bon, ben voilà, on a une vraie demande et du coup, on sait qu'on peut poser une question en prise de contact avec son acheteur pour lui dire qu'on peut l'aider sur cette question-là. Étape 4, c'est se connecter. Ben, c'est la partie réseautage, c'est la partie un peu, entre guillemets, volume. C'est vous connecter avec des lecteurs niveau 2. Ça veut dire quoi, des lecteurs niveau 2? C'est des gens qui connaissent des gens de votre réseau, qui sont déjà connectés à eux, qui les connaissent plus ou moins. Donc, faut être attentif à ça. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous vous connectez directement, vous êtes un peu plus dans l'industrialisation, soit vous demandez à des gens de votre réseau en amont de faire un petit mot pour que vous puissiez vous connecter à ces gens-là. Ou alors, tout simplement, c'est ce que je fais, moi, je ne prends pas de facette, je dis, voilà, je m'appelle Jean-Pierre Béraud, j'aimerais me connecter avec vous parce que vous êtes dirigeant marketing et mon réseau, c'est plutôt des gens directeurs marketing que je peux aider. Ou alors, je viens de la part de monsieur machin et j'aimerais me connecter avec vous parce que je pense qu'on pourrait échanger sur nos problématiques respectives. D'accord ? Voilà, c'est des idées rapides, mais quand je travaille quand je coach les gens, on travaille vraiment sur 4, 5, 6, 7, 8, 9 messages de manière à préparer en amont ces messages pour bien réfléchir à ce qu'on va dire à notre cible. En étape, chercher les moyens de démarrer la conversation. Et là, je réponds à la question de tout à l'heure. C'est qu'effectivement, le sujet là, c'est vraiment de pouvoir
se connecter aux gens qui ont aimé votre contenu. Alors, je fais attention, là, je vais vous faire une petite digression sur la partie algorithme. Tout le monde s'excite souvent sur « Ah, j'ai beaucoup de likes, j'ai beaucoup de vues, j'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup… » Aujourd'hui, c'est très important. Le plus important, normalement, ce sont les commentaires, puisque l'algorithme de LinkedIn ne présente pas votre post, votre article ou votre vidéo à l'ensemble de votre réseau ou à l'ensemble de votre audience. Il va le présenter à entre 8 et 10% de votre audience. Et si votre audience réagit à ce post par des likes, mais surtout par des commentaires, il va remonter votre post. Or, j'ai appris hier que LinkedIn réfléchissait et faisait des tests pour que ce soit non pas obligatoirement cette logique de viralité qui fonctionne, mais plutôt une logique de temps passé sur votre post. C'est-à-dire que la personne est en train de le lire, donc elle reste sur la vision. Je ne sais pas comment ils font pour regarder cela, mais c'est ça qui allait faire passer plus avant les posts. Donc, il faudra être vigilant et je reviendrai sur ma mise à jour effectivement de l'algorithme. Mais aujourd'hui, sachez-le, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le plus important quand on poste, c'est d'essayer que dans votre post, il y ait de la conversation. Si vous n'avez pas de conversation, votre post risque d'être pratiquement peu vu. Et moi, il m'arrive de voir des posts qui apparaissent sur mon fil qui ont 5-6 jours. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un peu de place et LinkedIn poste le contenu, mais le post, il est déjà trop tard. Imaginez si c'est un post qui invite les gens à un webinaire, c'est un peu embêtant. Et bien sûr, comme vous voyez les réactions des gens, ben, discutez avec eux. Ça continue avec les commentaires, mais surtout, si ce sont des gens qui correspondent à votre cible, et là, je reviens encore à la question de tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de voir dans quelle étape ce sont ces gens, cette cible, cette audience, cette niche et de sa réflexion. C'est vraiment un des endroits le plus opportun pour mieux comprendre à quel moment de l'étape peuvent être la niche. Alors après, des gens ne répondent pas. Il faut persévérer, on va dire. L'étape SIPS, c'est regarder votre fil de commentaires et de notifications. C'est assez simple. On regarde ce qui se passe, on regarde les nouveaux posts. Notamment, vous avez quelqu'un qui a un nouveau post marketing. C'est le moment de pouvoir le féliciter et même de dire, tiens, au fait, je suis à votre disposition. Je viens de voir que vous venez de prendre un poste de directeur commercial. C'est le moment de lancer, de marquer votre empreinte, votre prise de poste. Si vous voulez, je peux vous aider. Ou voilà, là, c'est un peu lourd, mais c'est quelqu'un qui est dans votre cible et que vous avez vu vraiment être en contact avec vous régulièrement. Vous pouvez aller un peu plus cash et beaucoup plus rapidement. Et puis, bien sûr, vous pouvez également féliciter, encourager les gens et puis repérer les gens qui ont répondu aux commentaires pour pouvoir de nouveau engager et recontinuer la conversation de manière à en savoir plus sur eux et à savoir plus, toujours pareil, sur la position où ils sont dans leur partie cycle d'achat. Étape 7, nom de Dieu, je suis très en retard. L'étape 7, consulter tous les emails de rappel LinkedIn. Donc, effectivement, vous avez plein. Alors, moi, je suis sur Sales Navigator qui me donne également des éléments. J'ai également conservé LinkedIn Jobs ici présent. Ça me permet d'avoir plein d'informations. Et par exemple, LinkedIn Jobs, c'est tout bête. Si quelqu'un est en recherche, je ne sais pas, de directeur marketing, ça veut dire que soit son directeur marketing s'en va, soit son directeur marketing et n'est plus là. Et donc, je peux être en capacité de l'aider pendant cette période de recherche, non seulement pour faire le passage entre le directeur marketing qui va s'en aller, mais également pour qu'il n'y ait pas de trou dans sa stratégie si la stratégie a été un peu laissée un peu à l'abandon parce que peut-être qu'il s'en va pour des raisons de conflit. Je ne sais rien, j'extrapole, excusez-moi. Mais c'est le moment aussi de pouvoir comprendre, et là, c'est plutôt l'entreprise, où elle se trouve dans sa vie. Et aujourd'hui, avec le Covid, on a pas mal d'entreprises qui sont en réflexion stratégique. Est-ce qu'on doit accélérer dans la prospection? Ah ben, c'est le moment, effectivement, de repérer là, s'ils recrutent, c'est parce qu'ils veulent se donner plus de moyens. S'ils veulent se donner plus de moyens, en tant que consultant marketing digital, je peux les aider à intégrer non seulement leurs collaborateurs, mais surtout à accélérer leur stratégie de marketing digital. L'étape 8, ben, c'est l'étape basique de partage des contenus. Il faut poster. Alors, je n'ai pas de vision du volume qu'il faut poster. Moi, je poste une fois par jour minimum, deux si possible. L'idée, c'est surtout ce que je disais encore tout à l'heure, poster des contenus qui peuvent correspondre non seulement à votre cible, c'est la base, mais également à l'étape dans laquelle est votre cible. Ça veut dire que si j'en poste deux par jour, il faut que j'en poste un, par exemple, à midi. C'est au moment où les gens prennent leur pause, repas, et donc ils jettent un coup d'œil sur leur mobile. Donc, attention aussi à ce que vous postez, que ce post puisse passer sur le mobile.
très important. Deuxièmement, je poste vers 18h, 19h en fonction des activités. Si je suis au taf et que j'ai beaucoup de trucs à faire, je vais poster plus tard, 19h30 même. Mais ça évite que les deux postes se chevauchent et donc qu'ils ne soient pas vus tout bêtement. Si vous faites deux postes l'un après l'autre, il est possible que le premier saute et que le deuxième ne soit pratiquement pas vu. Si vous faites un poste le matin, surtout en fin de matinée, et un poste vers 18h, 19h, quand les gens quittent leur job, ben, là aussi, vous avez des chances aussi d'être lu. Donc, mais surtout, ne faites pas plein de postes les uns derrière les autres, ça ne sert à rien du tout. D'accord ? Et les postes doivent correspondre, les postes doivent correspondre, je l'ai déjà dit, à cette partie de la dead zone. Donc, il faut que ces postes correspondent à le besoin, la question, les problématiques que se pose votre cible. Oui, un point essentiel, je vous l'ai mis là. Non, ça y est, je peux pas. Bon, il y a un point essentiel que je vous ai mis, j'ai oublié de vous en parler. Essayez aussi de pouvoir mettre en arrobase des gens qui correspondent à votre cible et qui sont dans un cycle d'achat, dans la prise de décision proche, pour les faire intervenir sur un des articles qui comprennent que l'article leur est dédié et que donc ils le lisent et que vous soyez sûr qu'ils le lisent et qu'ils le récupèrent. D'accord ? Je sais pas si j'étais clair, mais mettre un arrobase dans votre commentaire, dans votre texte d'envoi de votre poste permet de pouvoir envoyer directement ce poste à votre cible. Enfin, point 9, échanger avec votre niche, commenter intéressé. Vous postez certes, mais surtout allez vers les autres, commentez leur propre poste. Si votre niche poste, ben, commentez, discutez, intervenez, intéressez-vous. Vraiment, interpellez-les. Oui ? On a une question de Valérie. Mon Dieu. Excuse-moi, on a une question de Valérie. Je pense que ça serait bien qu'on y réponde parce que ça pourrait l'aider à comprendre. Valérie, est-ce que vous avez un micro ? Ça y est, je me branche. Super. Vous m'entendez ? Écoute, Valérie. Oui, on t'entend. Jean-Pierre, bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Qu'est-ce que c'est qu'un contenu natif ? Ah, un contenu natif. Sur ta slide précédente, tu as parlé de contenu natif. Oui, tu as raison de le dire. C'est les termes habituels du digital et du coup, j'ai l'impression que tout le monde comprend, mais… Natif, c'est toi qui l'as créé, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens partagent. Partager le contenu de votre réseau, c'est bien, notamment quand c'est votre réseau, quand ça correspond à des questions que peut se poser votre réseau. Et notamment, c'est aussi pour montrer à votre réseau que vous n'êtes pas juste tourné vers vous-même, mais que vous êtes intéressé par ce qu'ils postent eux-mêmes. Donc, vous le repostez à l'ensemble des gens qui sont de réseau. Du coup, vous participez également à la diffusion et à la viralité de ce que, par exemple, si toi tu postes quelque chose et que je le reposte, tu vas apprécier, tu vas dire tiens, ce que je dis l'intéresse et d'ailleurs il le reposte à plus de monde, donc ça crée de la viralité. Bon. Le contenu natif, alors quand on fait ça, c'est bien, mais si je prends un article que j'ai repéré sur LinkedIn, que j'ai repéré sur Les Échos, que j'ai repéré sur, Digital Minds, qui est un truc que fait WSI, ben, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. LinkedIn veut que je crée moi-même des articles, donc natifs, que ce soit moi qui les crée et que je les poste. Alors, des posts que j'écrive un post de 250 lignes ou j'écrive un vrai article, mais il veut que ce soit moi. Il veut que je fasse ma propre vidéo. Il veut que je fasse mes propres images, mes propres photos. Tu vois ? Donc, natif, ça veut dire créer vous-même votre contenu. C'est pour ça que la partie contenu est la partie la plus lourde de la partie prospection. Parce qu'effectivement, même si on peut prospecter sans mettre beaucoup de contenu, on peut être sauvage, on peut mettre de la pub, LinkedIn fait des ads, mais ce qui est le plus, qui a le meilleur taux de conversion, c'est clairement la partie contenu. Et donc, surtout, si le contenu natif, il sera promu par LinkedIn, ce qu'est le contenu natif. Mais c'est une bonne, très bonne question, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident. Attends. Merci. Jean-Pierre, on a Jacques qui a de nouveau une question. Oui, vas-y. Jacques, je peux te redonner la main, on t'écoute. Jacques, il y a un petit problème. Jacques, tu nous entends ? Alors, je vais te lire la question, Jean-Pierre. J'ai remarqué que certains publient sur LinkedIn des vidéos en natif alors qu'ils n'en sont pas les auteurs. En tant que vidéaste, cela m'interpelle. Penses-tu que LinkedIn va tolérer cela encore longtemps ? C'est une bonne question. La question que je me pose, c'est comment LinkedIn, avec ses algorithmes, lit. Mais ce que tu peux voir, par contre, la réponse, je pense, alors je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Exactement cela, mais moi, quand je discute avec les gens de LinkedIn, et notamment j'ai fait une énorme formation avec eux au mois de janvier, ouais, c'est ça, janvier 2020, j'avais pu poser beaucoup de questions, et il me semble que même si tu peux les voir, ça ne veut pas dire qu'elles sont
très virales, ces vidéos. D'accord ? Et puis la question toujours, c'est comment LinkedIn les détecte. Moi, c'est toujours une inconnue. Mais aujourd'hui, il m'expliquait qu'effectivement, une vidéo qui est copiée-collée, LinkedIn en est capable de voir. Je peux même vous dire une chose qui m'a surpris. LinkedIn est capable, qui pas m'a surpris, mais qui m'a amusé, on va dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui prennent des articles, notamment dans le digital, hein, qui prennent des articles en anglais, qui les traduisent et qui les postent. D'accord ? Et ils marquent JP Béraud, c'est moi qui l'ai fait. Bon. Ben, LinkedIn est capable de comprendre, de lire que c'est une traduction et de parfois, alors pas toujours, mais la plupart du temps, de repérer que ce n'est pas un contenu natif. Donc le type, il est content, il a posté, personne n'a repéré, sauf que son post n'est pas suffisamment diffusé. Donc lui, il est content, il a posté, il est peut-être déçu parce que son post n'a pas la même viralité qu'il aurait cru, mais c'est aussi dû au fait que LinkedIn ne l'a pas autant diffusé que si ce post avait été natif. Mais je prends la question, hein, j'essaierai de l'envoyer à UPS06 pour que vous ayez la réponse. Je vais poser la question sur la partie vidéo parce qu'effectivement, je n'ai pas une certitude de la capacité de lecture totale de l'algorithme LinkedIn sur ce sujet. D'accord ? Mais tu as raison, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. Alors, étape 10, donc oui, démarrer de vraies conversations. Ben, au moment, il faut aller au taf, hein, faut poser des questions, faut prendre contact physique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire envoyer un post, un email. Et moi, je dis franchement qu'à un moment donné, il faut sortir de LinkedIn et envoyer des emails ou prendre son téléphone si vous avez les coordonnées téléphoniques et aller à la conversation directement. C'est le moment où la conversion va être de 50%, de 30%, de 15%. Et c'est là où on descend à 9, 10, 8% même de taux de conversion. Mais à un moment donné, le social selling, il a fait son travail et c'est à vous de faire votre travail, entre guillemets, de prospecteur et d'appeler la personne parce qu'elle est suffisamment, je dirais, sensibilisée et influencée. Et il est possible surtout, il faut que vous le repériez, c'est le plus difficile, c'est ce que j'explique au début, qu'il soit déjà dans sa décision d'achat proche. Donc, il faut absolument agir, il ne faut pas attendre. Et là, il faut prendre son téléphone. Là, j'ai fait un petit mail pour avoir la vision de Dominique. Dominique n'était pas encore complètement en décision d'achat, donc je l'ai compris. J'ai quand même la volonté d'envoyer un email rapidement pour pouvoir peut-être aller plus loin et prendre contact avec lui, téléphonique ou cam, par exemple, avec Skype ou avec Zoom. D'accord ? Et là, on a fini nos 10 étapes de routine social selling et on doit aller normalement à la signature. Pour finir, je vous ai parlé en tout cas en formation, le meilleur outil que je connaisse et qui est fait par LinkedIn pour savoir si on met quelque chose en place. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est extrêmement efficace, mais ça veut dire qu'on met quand même tous les éléments en place. Le meilleur outil qui existe, c'est le Social Selling Index. Je vous ai laissé l'adresse là-dessus, mais il suffit de faire sur Google Social Selling Index. Vous cliquez sur le lien qui est marqué là, que vous donnera Google, et vous aurez votre propre Social Selling Index. D'accord ? Un bon Social Selling Index, c'est à plus de 65, 70. Un vraiment très bon social selling index, qu'on est très présent, qu'on est actif, c'est plus de 80%. D'accord ? Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne des notes sur les quatre bases de votre action sur le social selling, c'est-à-dire construire sa marque professionnelle, trouver les bonnes personnes, donc les personas, échanger les informations et établir des relations. Donc, vous voyez que dans ma culture, je suis un prospecteur, établir des relations, je suis à 25%, j'ai un très bon taux de conversion. Par contre, j'ai du travail encore sur les bonnes personnes parce qu'effectivement, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de trop de personas. Et c'est ce qui définit effectivement une note aussi faible. Mais c'est un bel outil pour savoir si ce que vous mettez en place, les moyens sont pas mal. Ce n'est pas obligatoirement l'outil qui vous dit si vous êtes efficace. Là, je finis par la phase 3. J'ai dit phase 1, les fondations. Phase 2, la conversation. Phase 3, la conversion. Ben oui, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Ben là, il faut répondre aux questions, il faut prendre contact avec le client, email, appel téléphonique, poser des questions sur ses pratiques, valider un rendez-vous. Présentez vos solutions, proposez et bien sûr signez. Et là, on peut descendre un taux de conversion du contact jusqu'à la signature, encore une fois, du tiers. Mais moi, je repère à peu près 50% de taux de conversion sur la partie contact pris par rendez-vous sur social selling. Alors que le taux de conversion est plutôt de 25% sur l'autre type de prospect que je peux avoir. Je finis par les outils. Donc, alors là, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, je travaille beaucoup sur la digitalisation de la vente, c'est-à-dire de pouvoir avoir l'ensemble de son processus de vente qui se doit digitaliser. Et le social selling, c'est le noyau dur. Clairement, quand vous faites votre action sur social selling, vous pouvez mettre tout autour l'ensemble des outils. Il y a pas mal d'outils, d'ailleurs, c'est un truc LinkedIn que je vous ai mis, hein. Il y a pas mal d'outils qui existent.
CRM HubSpot, les contenus, vous avez des outils, notamment Lumen 5 pour les vidéos, Canva pour les images. Alors faites attention parce que là aussi, ce n'est pas des images natives. Mais si vous voulez aller plus vite de temps en temps, c'est bien d'utiliser Canva et de modifier le fond. La partie automatisation, effectivement, on peut aller plus vite avec l'automatisation, notamment Zapier est un outil fantastique qui vous permet d'automatiser des actions que vous pouvez faire sur pas mal d'outils, Mailchimp pour les emails. Et puis la partie prospection, où là, alors je ne suis pas toujours un gros fan des outils comme LinkedIn Helper, qui sont des outils qui vous font automatiser la prise de contact, mais quand on veut aller un peu plus vite, et qu'on veut, on est au début et qu'on veut accélérer son réseau, ça peut être un pis-aller. Voilà. Je vous ai mis là, par étape, les outils qu'on peut avoir. L'outil basique pour moi, pour pouvoir travailler le lancement de son social selling, c'est un consultant marketing digital. C'est lui qui peut vous aider, notamment dans la phase d'audit, la phase de préparation et la phase de planning éditorial. Travailler sur son planning éditorial de contenu, ça doit se faire en amont. Aller quand on est bien à l'aise avec LinkedIn sur 16 navigateurs, parce que pour aller plus loin dans la segmentation, dans la base de données, Sales Navigator, c'est vraiment la Rolls-Royce. Et aujourd'hui, c'est à peu près, je crois, de mémoire, 60 euros hors taxe, je crois, par mois, ou 65. C'est quand même cher, mais c'est quelque chose qui vous permet d'aller, de passer un cap. Je voulais vous en parler, Prospecting, LinkedIn Helper, Growth.io, il y en a des dizaines qui existent, des vingtaines. J'en ai vu un autre jour, Octopus. C'est des outils de prospection automatisée, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le contact vous-même, de faire attention et tout ça, vous prenez votre cible et vous poussez. C'est l'industriel. Ce n'est pas toujours génial, mais ça vous permet d'aller plus vite. Je ne suis pas un fan, hein, mais ça vous permet d'aller plus vite. Enfin, tous les éléments importants de contenu, c'est-à-dire tout ce qui est le sourcing des articles et des posts, vous avez un paquet d'outils. Moi, je suis un grand fan de Topic Research qui est sur SEMrush. Topic Research, vous faites SEMrush, Topic Research. Et là, vous mettez, vous posez une question et il vous donne un paquet de thématiques intéressantes et de contenus sur lesquels vous pouvez vous baser pour créer vos propres contenus. Et puis, il y en a un deuxième que j'adore qui s'appelle Answers the Public, qui est également en version française. Alors, Answer the Public, comme souvent, ils vous font ce qu'on appelle du freemium. Au début, vous vous excitez parce que c'est gratuit, mais quand vous voulez aller plus loin, il faut payer. Mais vous avez quand même une base de travail qui est intéressante. Et enfin, non pas la newsletter de votre secteur, mais la newsletter du secteur de votre cible. Vous prenez Google Alert, vous inscrivez sur des newsletters, vous faites Google Alert, marché de l'immobilier, marché des ressources humaines, et vous avez un paquet d'informations qui vous font être au fait de tout ce qui se passe dans le marché de votre cible. D'accord ? Et enfin, des outils comme Trello, ces outils qui vous permettent de travailler sur le planning éditorial ou sur la gestion de projet tout simplement, d'accord ? D'organiser votre stratégie. Et puis, j'en ai mis un petit dernier, alors ça ne va pas plaire peut-être à notre ami Vidias, mais j'en ai mis un dernier dont je suis fan qui s'appelle Vidyard. Vidyard, c'est un outil de vidéo qui vous permet sur l'ensemble du cycle de vente d'intervenir. Je fais rapide ce qu'on appelle Talking Heads. Je veux parler comme ça à la vidéo. Je parle rapidement, je fais un petit message simple, très court, 25-30 secondes, je le poste, très court. Ensuite, je veux prendre contact avec mon réseau, j'envoie un petit mail, je mets ma petite vidéo dans mon petit mail avec une autre étape, 30 secondes. Et enfin, je veux prendre rendez-vous physique avec mon client, je refais une troisième vidéo. C'est vraiment simple, c'est vraiment court. Alors, par contre, je vous conseille d'aller voir des professionnels pour vous aider à être à l'aise si vous n'êtes pas dans la vidéo. Moi, j'ai été voir une vidéaste spécialisé, si vous laissez ses coordonnées, je vous la donnerai. Mais c'est des gens qui peuvent, les vidéastes professionnels, comme la personne qui est sur le webinaire, vous permettre d'être beaucoup plus efficace, notamment au niveau de votre texte, mais également au niveau de votre ton, des lumières, d'un paquet d'éléments techniques. Mais la vidéo est très, très, très importante sur le marketing digital et très importante sur LinkedIn. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Juste un point, je fais des formations en webconférence, je le faisais déjà même avant le Covid, ou en physique. Ce sont des formations en trois étapes, soit Jean-Pierre, des étapes courtes de 3 fois 1 heure, soit des étapes longues. Oui. Excuse-moi, j'ai une question de Mathilde. Ah, super. Ouais. Mathilde, est-ce que vous avez un micro ? Oui. Ah super, on vous écoute Mathilde. Oui, c'est la question que je me posais, donc c'était par rapport à l'outil Topic Research. Est-ce que c'est un module qui est intégré directement dans SEMrush ? Oui, en fait Topic Research, tu fais même Topic Research Google ou tu fais SEMrush, tu cliques, tu écris Topic Research dans la barre de recherche et il va directement sur Topic Research. Dans la barre de recherche, attends, je peux le faire même là, si on a un peu de temps, en live, tac, SEMrush, vous voyez mon écran ? Oui. D'accord. SEMrush.
Alors, j'espère qu'il va pas. Parce que comme moi, j'ai la version payante, j'espère qu'il ne va pas déconner. Attends, je vais te faire ce que je t'ai dit. Hein. Topic Research. Oui, du coup, il faut avoir la version. Non, gratuite. Ça marche normalement, la version gratuite. Oui, oui. Oui, j'ai des filles qui font des études au hasard marketing digital, j'en ai une. Et effectivement, elles travaillent sur les versions gratuites. Alors, où est-ce que c'est? Topic Research, voilà, là. Donc, il a fait une annonce, tu vois, vous voyez. Et là, logiquement, voilà, vous allez sur le truc et vous dites, vous rentrez là et vous faites votre demande. Vous faites la version française et vous êtes bon. Voilà. Alors, personnellement, je ne vois que le diaporama, là. Ah, merde. Partage d'écran. Je ne sais pas si c'est que moi. Vous voyez, tout le monde voit que le diapo? Bon, je ne sais pas, j'ai le partage d'écran qui fonctionne. Alors, attends, je vais voir si c'est parce que je dois sortir. Pourtant, attends, je vais l'enlever de l'écran. Voilà. Et là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, non? Non. Aïe, aïe, aïe. Bon. Fais Topic Research directement sur Google et tu arrives même sur une annonce qui fait la publicité de Topic Research. Tu vas directement, tu rentres directement sur la page Topic Research et tu peux poser ta question en direct. D'accord, super. Alors, tu te mets en version française, bien sûr, parce que tu as plusieurs versions. Et pareil sur un centre de public. Mais c'est vraiment génial. Moi, pour faire des articles, il m'arrive de gagner, mais limite. 30 minutes, parce qu'il y a un article. Jean-Pierre, il y a un problème avec le screen, pardon, mais on a Sandrine, Juliette et Julie qui nous disent besoin de changer de screen de partage, vous êtes toujours sur la presse. En fait, là, on voit. Alors, je ne sais pas comment faire, je vais te dire, parce que moi, j'ai reprendre le partage. Normalement, quand tu fais ton partage d'écran, on te propose. Non, mais attends, je vais recommencer. Partager l'écran. Si voilà. On a Julie qui cherche sélectionner Chrome. Voilà, ça y est, c'est fait. Ah, c'est bon. Ouais, c'est OK. Voilà. Merci, parfait. C'est la fatigue. Hein. J'ai commencé à 7 heures sur Zoom, les filles. Hein. Je suis fatigué. Voilà, vous le voyez, l'écran. Je peux revenir en arrière pour vous montrer la recherche. Voilà, je suis allé sur. J'ai fait SEMrush Topic Research Tool que m'a donné Google. J'ai cliqué sur l'annonce qui est là, SEMrush.com. J'ai cliqué directement sur SEMrush ici, sur le tool. D'accord. S'il veut marcher. Ah, il bloque. Qui se passe. Voilà. Ah ben oui, je suis bête. Je suis vraiment fatigué. Voilà, je clique sur le lien. Et puis, là, j'arrive sur SEMrush. D'accord. Ouverture. Je vérifie que ce n'est pas mon compte payant, quand même, parce que. Non. Ah, j'ai un problème de connexion. Voilà. Et là, j'arrive sur Topic Research. Vous voyez? Et je me connecte directement dessus. Je fais saisir le sujet, je ne sais pas moi, la vidéo. Tiens, on était sur ce sujet. Me connecter parce que j'ai un compte. Voilà, ça mouline. Hein. Désolé, pourtant je suis en fibre, vive Orange. J'espère qu'il n'y a personne d'Orange dans le webinaire. Je suis désolé. Tout à l'heure, ça s'est connecté tout de suite. Vous voyez, Topic Research, je le cherche là. Voilà. Avec Topic Research ici, vous le voyez ou pas? C'est très fin. Hein. La vidéo en espagnol, vidéo, voilà. La vidéo, tout simplement, la vidéo la plus drôle du monde, vidéo française, la vidéo Benjamin Griveaux, la vidéo. Vous avez pas mal de trucs. Et bon, c'est peut-être pas mon exemple, mais l'autre jour, j'ai cherché, je crois que c'était les outils digitaux dans la vente. Et j'ai trouvé un paquet d'articles sur les outils digitaux dans la vente, par exemple. D'accord. Mais ça, et un sens du public est sur le même fonctionnement. Vous mettez le mot et un sens du public vous donne comme ça une espèce d'éclatement comme ça, mapping. Et vous pouvez derrière cliquer sur les sujets. Par exemple, la vidéo, tout simplement, vous cliquez sur le sujet. Et vous allez avoir des éléments. Normalement, vous allez avoir une liste qui va sortir si ça marche, si ça ne mouline pas pendant 2 heures. Il ne veut pas aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, hein, j'ai un problème de connexion. De connexion parce que la vidéo française, ça ne marche pas. Tiens, je vais cliquer sur obtenir des idées de contenu. Tiens, c'est peut-être moi qui ai déconné. J'ai confondu avec Answers the Public, parce qu'en Answers the Public, vous cliquez dans le lien là, et SEMrush, vous cliquez effectivement dans les données. Voilà, vous avez les données ici, la carte mentale, les fiches, voir si c'est dans les fiches. Moi, j'y suis allé hier. Hein. Ah. Voilà. Et là, vous avez l'ensemble des éléments, et vous cliquez. Et vous cliquez normalement et vous avez votre texte qui apparaît. Vous avez un paquet d'articles qui sont ici. Hop, je vais dans l'article ici.
Voilà. Vous avez vraiment, c'est assez violent comme le nombre de, j'aurais dû préparer mon exemple là. Voilà, vous avez le nombre d'éléments. C'est vraiment pas un bon exemple. Je suis vraiment désolé, j'ai pas de chance sur ce coup-là. Mais vous avez, c'est vraiment un outil exceptionnel. Je trouve qu'un sens public est moins prolifique que l'outil SEMrush. Cela. Et puis l'idéal, c'est quand même les alertes Google, je trouve, parce que vous pouvez encore mieux cibler la partie de votre niche à qui vous voulez parler. D'accord. D'autres questions ? L'idée, c'est de trouver des idées de contenu, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le contenu que vous à 70%, vous devez, si possible, poster vers votre niche, vers votre cible, en fonction et trouver du contenu en fonction de son avancée dans le cycle d'achat. D'accord ? Et donc, en fonction de ça, vous allez dire, tiens, là, il est dans la réflexion plus que dans l'achat total. Donc, dans sa réflexion, quelles sont les questions qu'il peut se poser quand il est dans ma niche, je ne sais pas, le directeur marketing pour moi, quelles sont les questions qu'il peut se poser quand il est réflexion sur son site web, par exemple ? Quelles sont les réflexions qu'il peut se poser quand il y a réflexion sur, par exemple, la vidéo dans un site web. Pour moi, un site web sans vidéo, c'est une aberration. D'accord ? Eh ben, effectivement, parce que la vidéo convertit mieux, ajoute du SEO à votre site web, donc il faut avoir des vidéos dans votre site web. Eh ben, clairement, la question à se poser en amont, c'est pourquoi il faut avoir une vidéo dans votre site web, bien avant ? Et puis, peut-être que quand on sera un peu plus loin, c'est des questions, des précisions sur la vidéo dans ce site web, en quoi ça, comment choisir sa société, de comment choisir son vidéaste, par exemple, ou pourquoi choisir un vidéaste. Et puis, quand il y a la décision finale, c'est quels sont les tarifs d'une vidéo avec un vidéaste. Je ne sais pas si j'étais clair, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire, je suis en réflexion, mais lointaine, je réfléchis globalement sur pourquoi il faudrait, et on me répond et on me trouve des articles sur pourquoi c'est important d'avoir une vidéo dans son site web. Je suis un peu plus là, je commence à être beaucoup plus loin dans ma réflexion. Et là, on me parle de méthodes pour choisir la prestation de service. Et enfin, je suis vraiment pas loin de l'acte d'achat. Et là, on me donne les tarifs, le budget que peut coûter non seulement vidéaste, mais également l'ensemble de la mécanique si je veux le faire par moi-même. Donc, je me fais former par un vidéaste. Mais derrière, j'achète les différents outils pour installer chez moi un atelier de vidéo. Je suis désolé pour le vidéaste s'il est encore là dans le webinaire. D'accord. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ? Parfait, Jean-Pierre. Et on avait une question. Alors, attends, je remonte. Hop. Ah, Célia, mais elle s'est déconnectée. Elle disait, faut-il que chaque vendeur utilise son compte ou faut-il communiquer avec le profil société ? Excellente question. Il faut les deux. Elle s'est déconnectée, mais elle le verra dans le replay. Du coup. Voilà, il faut les deux. C'est justement ce dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais de la partie team building. Il y a non seulement la partie team building avec le marketing, mais il y a également donc l'uniformisation et la stratégie globale de création des contenus dont on vient de parler, mais avec l'ensemble des composantes de la société, que ce soit le marketing qui est celui qui chapeaute tout ça, mais les ventes et le service client, et même la direction générale, mais également les commerciaux deviennent les ambassadeurs de la société. Quand on parle d'employé advocacy, c'est vraiment ça, c'est le collaborateur, le commercial, mais également, pourquoi pas, le responsable marketing, le service client. Bien sûr, il faut être attentif à ce qui est posté, mais deviennent des vrais avocats de la société, présentent la société, et puis la société a son propre compte. En plus, je n'en ai pas parlé là, mais il y a des outils qui existent pour le compte entreprise qui n'existent pas pour un compte personnel, on va dire. Donc, autant avoir les deux pour avoir justement cet effet ciseau, excusez-moi l'expression financière, mais cet effet ciseau qui permet d'avoir non seulement d'un côté l'action de viralité des collaborateurs, mais également l'action de viralité de l'entreprise. Et ces deux mises bout à bout font une action fantastique au niveau de la notoriété et du branding de la société et de ses services. Donc oui, il faut faire les deux. Et c'est même la meilleure tactique qui puisse être à appliquer parce que ça ajoute également au team building et à la fidélisation de vos collaborateurs. Pour les indépendants aussi ? C'est-à-dire ? On peut créer une page pour son activité ou on peut interagir en tant que soi-même ? Je ne le fais pas.
Je me suis posé la question ce matin, pour tout vous dire, parce que je lisais LinkedIn sur les outils pour l'entreprise. Je ne saurais vous dire. Moi, je ne le fais pas parce que c'est double travail si vous êtes tout seul. Mais je vais regarder et je donnerai une réponse. Je mettrai un article. Si vous connectez à moi sur LinkedIn, je posterai un article ou j'enverrai un mail d'information sur ce sujet, effectivement. Parce que je me suis posé la question ce matin, parce que quand j'ai vu les outils qui avaient été créés récemment par LinkedIn pour les entreprises, d'accord ? Mais la plupart des outils qui sont créés par LinkedIn, c'est justement pour faire le lien entre les membres de la société et la société. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un vrai intérêt ? Je ne le crois pas. Mais je préfère être précise dans ma réponse. Merci beaucoup, Jean-Pierre. De rien, de rien. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Écoute, Jean-Pierre, je crois que c'était plutôt complet. Alors, au-delà des questions, tu as une avalanche de compliments. C'est gentil. Présentation très intéressante. Merci pour toutes ces infos. Très formateur. Très riche intervention. Je reviendrai sur le replay. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Sachez-le. Expertise et partage. Merci pour tout. Nous dit Mathieu. C'est le digital. On partage tout dans le digital. Voilà. Donc, C'est gentil à tout le monde. Et merci à tout le monde. Moi, je pars du principe qu'effectivement, on doit partager. Et puis, la période actuelle, je le dis tous les jours, c'est effectivement du partage pour aider notamment les indépendants à pouvoir s'en sortir et pouvoir trouver des solutions. Je faites quand même appel à moi si vous voulez aller plus loin, notamment l'article 16 navigateur, parce que là on a quand même vous a donné des idées génériques et générales, mais il faut aller un petit peu plus loin, qu'on va être un peu plus efficace. Il y a des éléments un peu plus pointus de précision, et puis même on verra avec l'UPE 06, hein, je leur tends la perche, si demain on peut traiter d'autres sujets qui sont également pour des indépendants mais également pour des TPE, des sujets importants qui sont toujours des sujets de génération de prospects, comme le site web et les actions de prospection par emailing, mais avec le site web et avec son coach socialisé. Il faut toujours lier l'ensemble des actions que l'on fait pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces. Avec voilà. Plaisir, Jean-Pierre. Et je me suis régalé, moi, en tout cas. Voilà, n'hésitez pas, les participants, à nous soumettre des thématiques aussi qui pourraient vous intéresser. Exactement. Rappel, tous nos adhérents UPE peuvent assister à nos visios de manière illimitée. Et pour les prospects, ils ont le droit de tester donc une visio plus la visio qui s'appelle à la découverte de l'UP. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à inviter d'autres chefs d'entreprise pour qu'ils puissent aussi tester une visio et bénéficier de tous les conseils de nos adhérents. Alors Jean-Pierre, j'ai même une présentation éloquente. Oh là là, je vais rougir malgré la couleur de ma peau. Je vais rougir. Et pourtant, j'ai eu le temps de me bronzer pendant le Covid. Non, bon, c'est très gentil. Ça fait l'unanimité. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment... Voilà. Bon, on vous remercie en tout cas. Tu avais fini, Jean-Pierre, ou tu voulais ajouter quelque chose? Oui, oui, non, ouais. Non. J'ai encore laissé mes coordonnées là parce que je sais que après les différents, qu'on appelle ça, les différents. Webinaire qu'on peut faire, c'est un mois. Il y a des gens qui peuvent reposer des questions. J'ai laissé mon email, j'ai laissé les différents liens qui sont là, mais sinon, moi j'ai fini. J'ai pris déjà beaucoup de temps à tout le monde puisqu'il est 11h et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent retourner à leurs occupations professionnelles. Bon, alors on vous remercie. Merci beaucoup à toi, Jean-Pierre, pour ta présentation hyper intéressante, très enrichissante. Merci à tous les participants. Et puis, on a une visio, un apéro philo ce soir pour ceux qui sont intéressés à 18h. La présentation de l'UPE vendredi à 9h. Et puis, plein d'autres visios la semaine prochaine. On vous invite à voir notre calendrier qui est en ligne sur le site internet de l'UPE. On vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Et puis, encore une fois, toute l'équipe de l'UP est à votre dispo. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin. On se fait un plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt. Bye bye. Bonne journée. Santé couvert. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était fantastique. Merci, c'est moi. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Merci.